Eh bien, re les amis, on se retrouve dans la base, tout simplement, et non pas dans le biome dont je vous avais dit, parce que j'ai encore cherché, j'ai parcouru plus de 10 000 blocs, 20 000 blocs à pied. Je vous jure que ça m'a vraiment crevé, j'ai trouvé des vaches, c'est pour ça que j'ai ça, j'ai trouvé deux Endermen, j'ai deux Enderperles. Niveau level, j'en ai 27, d'ailleurs je me suis fait un entrechante, mais ça je vous le montrerai après, donc vous voyez, je suis no stuff. Non pas parce que je suis mort, parce que j'ai toujours mes trucs, hein, mais j'ai un peu aménagé la base tout de même. Il n'y a pas la masse de coffre ici. Là, il n'y a qu'une tête du Wither. Et du coup, changement de plan. Mais je pense que nous allons aller dans le Nether et tout simplement farmer les têtes de Wither. Oui, ça rime. Mon dieu, je suis un poète. C'est magnifique. Donc, j'ai mis l'enclume ici. J'ai. Voilà quoi. Après, j'ai fait une petite salle des coffres avec deux armures. Complètement random. Alors là. Alors là. Merci, Petine. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, on revêt notre armure du champion. Et j'ai un peu. Ranger mes coffres, donc là c'est coffre enchante, là c'est coffre bordel, là c'est coffre bouffe, là c'est coffre minerai. J'ai récupéré du minerai, notamment des diamants, énormément de diamants, ça je suis content. Parce que en cherchant quand même, je suis tombé dans plusieurs failles et grottes, j'ai trouvé énormément de mineshaft. Là c'est coffre à popo, là c'est coffre à bois, là c'est coffre à stuff, coffre à bloc. Et là coffre à minerai, donc je suis assez content. Donc nous allons récupérer tous ces petits minerais, voilà. Aussi, on va récupérer ça pour pouvoir ensuite les transformer en blocs. Ça, le diamant, je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors, pourquoi je prends ça, tout simplement, les amis? Vous avez dû le remarquer. J'ai fait un enchant. J'ai dû vous le mettre en vidéo. Oh. Efficiency 4, Fortune 3, Unbreaking 3, les amis. La pioche rêvée pour farmer à mort. Des minerais. Voilà, c'est la The Pioche. C'est la pioche que je voulais. C'est exactement celle-là. Du coup, je vais regarder dans mes coffres si j'ai pas une autre Efficiency 4 pour la fusionner avec. Et ça me fera une Efficiency 5. Là, ce sera parfait. Je serai au top de ma life, comme dirait une amie. Ouais, voilà, on va prendre celle-là qui est un peu endommagée. Hop, ça devrait coûter quoi? Les 10, 15 levels par là. Ouais, 11 levels, ça va. Voilà, comme ça on a une efficiency 5. Alors, le nombre de poulets a considérablement augmenté entre les œufs. Je les ai un peu nourris. Bref, celle des coffres. Voilà, j'ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Du coup, on va un peu tout simplement les casser. Parce que j'ai dit que ça je le ferai quand j'aurai. Oula, 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 oula. Ok, ça aime pas la fortune, hein. What? D'accord, merci le. Rollback. Ah, donc là on peut voir qu'on en a la masse. Donc voilà le principe de la fortune, c'est ça, démultiplier les objets qu'on casse. Oula, je suis à côté du Nether, ça lui plaît pas trop. On va peut-être un peu plus ça. Tenez, on va se mettre dans la salle des coffres. Hein. Tac, 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 tac. Allez, on tape. Allez, allez, allez. Hop. Tac, 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 tac. En plus, ça, Unbreaking 3, elle va nous durer, mais je sais pas combien de temps celle-là. Du coup, les amis, c'est juste parfait. Hop, voilà, regardez, je sais pas combien on a de stacks alors qu'on a cassé juste 10, allez, voire 10 à 15 minerais là, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, regardez-moi ça. C'est la richesse, on entend les poulets hurler, ça m'énerve. C'est la richesse les amis, on va faire pareil pour le charbon. Tac, 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 tac. Voilà, mon dieu. Depuis le temps qu'on attendait cette pioche, enfin du moins que moi j'attendais cette pioche les amis. Oh mon dieu, il s'en est passé des choses, il s'en est passé. Ouais, comme ça j'ai deux types de pioches, ça va hautement m'aider pour la suite des événements. Parce que j'ai pu remarquer qu'il n'y a pas le biome que je cherchais. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais me rabattre? What the... Très bien. Je savais pas que ça. Ah ouais, je savais pas que ça faisait la gravité. Bon, très bien, ils seront dans le sol, ce sera sympa. Où je vais m'installer? Où je vais faire ma maison principale? Très bonne question. Je n'en ai encore aucune idée. C'est pour ça qu'on va faire d'abord le Wither, le temps que je réfléchisse. Parce que le biome Mesa, ce serait sympa de s'y installer. Ça, j'adore le biome Mesa. Mais je sais pas si après ça serait un peu rondondant et il y aurait beaucoup trop de mobs qui spawneraient dessus. Ça, je crains beaucoup que cela n'arrive. Mais du coup, je sais pas.
Je sais vraiment pas. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, parce que je sais que il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dans les commentaires, mais s'il vous plaît, cette fois-ci, si vous regardez cette vidéo, dites-moi le biome que vous voulez que où on s'installe. Voilà, je sais pas, dans une prairie, tout simplement, le plus classique, le plus basique. Je sais pas, dans quoi aussi. On pourrait s'installer dans une dark forest, mais ça serait un peu chaud parce qu'il faudrait que je casse complètement l'environnement. Dans une forêt normale, mais pareil. Exactement le même truc. Après, ça pour les constructions, ça je m'arrangerai avec quelqu'un parce que je vais faire venir quelqu'un, je pense, pour les constructions. Parce que moi, niveau maison, voilà, mis à part creuser quelques petites pièces comme ça, je sais rien faire d'autre. Là, je vous dis, niveau grosse construction, mis à part faire un cube, c'est tout, hein, cherchez pas. Je vais pas aussi loin que ça. C'est pour ça que je vais inviter quelqu'un que vous connaissez déjà, je pense. Enfin, oui. Mais oui, non, vous connaissez déjà. Qui va peut-être m'aider pour justement réaliser ma maison, ainsi que peut-être d'autres structures assez colossales à faire. Donc voilà. Je sais pas, bref. On verra pour ça. Ça, je m'inquiète pas. Du coup. Ouais, voilà, on arrive quasiment au bout. Regardez-moi tous ces stacks alors qu'on a cassé qu'un stack de charbon. Voilà, mon dieu, j'adore les push fortune. Je sais, j'aurais pu faire ça hors vidéo, mais quand même, ça me permet de blablater avec vous. C'est sympa, c'est convivial. Bref, on casse des minerais ensemble. Tout simplement, tout simplement. Voilà. Alors là, la redstone, vas-y que ça va y aller là. Oui, vas-y que ça va y aller, oui. Oui, c'est bien. Du coup, on va les mettre de telle sorte. Est-ce que ça fasse un beau stack de blocs? Même pas, ça va même pas faire un stack. Oh, je suis déçu. Oh, c'est la déception. Je suis déception. Du coup, tac, cloc, touc, tic, 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 tic. Voilà. Merci. Hop. Oui. Bah, même le charbon, tenez. Hop. Tic, 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 tic. Ok. Hop là, hop, tac. Oh là, je lag pas trop, je suis content. Je suis content, ça me plaît. Voilà, c'est dit, c'est fait. Hop, voilà. Comme ça, on aura toute la place. Bah, attendez, tant qu'on y est, hein, pourquoi se priver? Tac, 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 tac. Hop, on prend tous les blocs de charbon. Ça va nous servir de charbon. Oula, d'où le fer, c'est du charbon. Tous les blocs de fer, comme ça va nous servir pour faire notre cher ami le beacon level max. Level max. Voilà. Tac, on fait aussi les blocs d'or. Ça va nous servir encore une fois pour le beacon. Comme ça, on aura direct level max. On n'aura pas à farmer 400 000 minerais non plus. Voilà, du coup. Ah, bah attendez. On n'avait pas tout fait. Oula, la redstone, je pense. Niveau level, ça va nous en faire, mais. Wouh! Foufoufou! Ça serait bien pour les circuits, pour faire des machines à XP ou bien des portes 3x3. C'est. Ça va être pas mal. Ça va être vraiment pas mal. Tac, on casse. Vous êtes prêts? Oula, 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 oula. Bon, ça va. Ouais, non, c'est quasiment autant que le lapis, hein. Là, ça va pas. En plus, au niveau des niveaux, ouais. Franchement, ça paye bien. C'est là, ça paye super bien. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est nice. C'est vraiment nice. Du coup, tac, tac, tac. Oula. Alors je sais que ça va faire longtemps, et ça va faire encore plus longtemps maintenant, parce que si vous voulez, là, je reprends l'épisode. Allez, ça fait quoi? Une semaine? Allez, ouais, en tout cas c'est une semaine que j'ai tourné la première partie de l'épisode. Là, c'est la seconde, et ça fait une semaine que je n'y ai pas touché. Du coup, voilà, c'est un peu. L'état monde, il a été mis un peu en pause, mais il se remettra en pause pendant longtemps. Mais vous inquiétez pas, apparemment l'épisode, allez. 30, 40, ouais, par là. Parce que on va faire de la recherche de mods. Je vais essayer de faire un mod pack bien sympathique. Et tout simplement, il me faudra un meilleur PC pour absolument pas laguer. Parce que je pense mettre des shaders, je pense mettre des nouveaux mods, de nouveaux biomes. Et si possible, d'inviter quelqu'un parfois à faire les mondes avec nous. Mais bon, voilà quoi, vous m'avez compris. Il me faudra un PC beaucoup plus puissant. Parce que si je lag déjà en vanilla à cause de poule ou du nether.
Là, je vous dis, ça va pas le faire, hein. C'est. Ça va vraiment pas le faire. Parce que, si par exemple, prenons le cas de hors spawn. Si je fais spawner Godzilla, c'est bon, il y a crash internal serveur. Minecraft, je peux plus l'ouvrir. Plus jamais, hein. C'est. Cherchez pas. Du coup, hop, on va finir les minerais de charbon. Et puis après, rendez-vous Nether. Donc, je sais pas la taille de cet épisode. Combien il va faire? Peut-être 40 minutes, 30 minutes, je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer à farmer les têtes de Wither. On va blablater et quand je jugerai bon d'arrêter, j'arrêterai. Voilà, tout simplement. Puis je pense que le prochain épisode sera tout simplement un condensé. Un condensé du farm des Wither. Du coup, passez le voir si vous voulez. Si vous êtes intéressé par le farm, voilà, comme j'ai galéré, pour moi bien galéré, pareil pour les enfants, comme c'était pour les Undermen, mais ce sera un épisode dédicacé rien qu'à ça. Oula, pourquoi je suis là-bas? D'ailleurs, ça on va le récupérer. Dédicacé rien qu'à ça, voilà, hein, ça va pas être du grand spectacle non plus. Mais bon, c'était juste pour vous avertir, du coup. Coffre à bloc, voilà. On va les prendre. Voilà, on va juste prendre 47 blocs. Et on va go nether, les amis. Tac. On va laisser charger après tranquillement. D'accord, je récupère de la piste, tout va bien. Ouais, il y a dû y en avoir. Il y a dû avoir un peu de la piste qui est passée au travers du portail, mais bon. Alors, on va pas aller dans cette forteresse, on va plutôt aller dans l'autre qui est beaucoup plus en extérieur. Enfin, l'autre forteresse là-bas est bien plus grande que celle-ci. Du coup, on va y aller. Parce qu'il y avait masse Wither Squelette la dernière fois. Du coup. Hop, on éteint le feu. Hop, voilà. Après, sinon, concernant l'actualité de la chaîne, il va y avoir énormément de vidéos avec une seule et même personne, parce que je l'ai invité. Pendant un week-end, c'était un très bon ami à moi. Niveau qualité micro, on pouvait pas faire plus nul, désolé. Désolé de vous décevoir pour cette nuitée. Mais si vous voulez, j'ai que un micro, le mien que j'utilise en ce moment. Du coup, soit on m'entend en écho, soit on entend mon ami pas assez fort. C'est soit l'un, soit l'autre. Du coup, assez problématique, ça je suis désolé, mais bon. Ces vidéos ne resteront tout aussi fun pour autant. Et regardez, qu'est-ce que je vous disais déjà, ça commence. Ah, meurs, meurs, aïe, meurs, meurs, aïe. Holy fucking shit. Merci. J'ai cru avoir tiré sur le pigmen. Oh là là. Il est où? Il est où que je récupère sa lame? No. What the fuck? You? Ah, bonjour monsieur le ghast. Il est là-bas, hop. Je suis fail, hop. Je suis encore fail. En fait, c'est un peu dur de le voir là. Parce que mes chunks. Oh. Aïe. Ouf, je me suis pris putain de plein fouet celle-là. Il me reste combien de flèches? 33. Ok, très bien. Ouais, on va attirer un peu vers nous, hein. Mais ce serait dommage qu'il casse notre petit chemin. Ouh, j'ai pas pris masse bouffe. Faudrait que je fasse gaffe à ça. Mais. Ah mon dieu! Oh le cul, sérieux! Oh heureusement que j'ai pas de copine, sinon je croirais que j'étais cocu. Que je serais cocu. Oui, voilà. Oh là là, mon dieu, les amis, regardez-moi ça. Mais. Deuxième en. J'ai tué quoi? 6 Wither en voulant avoir des têtes et j'ai eu 2 têtes. Très bien, certains autres youtubeurs seraient vraiment furax à cette idée. Allez, viens, viens mon grand, viens, viens, allez, 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 allez. Alors, on est nul, hein? Ok, bon, très bien. Alors, sachant que je n'ai absolument pas de looting, j'ai sure Sharpness 4, Fire Aspect 2 et Knockback 2. Moi, sure, vous voulez des croquettes? Ok, c'est le fail. Ah, j'ai effet flame grâce à la lave. Mais ça leur fait rien. Nye. Merci. Du coup. Tic. 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 Tic.
Voilà. Bien, bien, bien. On récupère un peu deux blazes en même temps. Ça fait jamais de mal. Coucou les amis. Ouh, toi, je vais te casser par contre. Tu vois. Hey, bonjour. Voilà. Ça me fait des levels en même temps parce que. Vous vous doutez bien qu'on va se réenchanter un plastron, hein, c'est. Ça c'est sûr, je me referai pas quasiment tout mon stuff en diams, mais bon, je pense qu'on va farmer la deuxième tête de Wither ensemble. La troisième tête de Wither ensemble. Du coup, le Wither arrivera plus vite que prévu, donc. Laisse cette en baisse que j'ai dit tout à l'heure concernant le prochain épisode. Oui, parce qu'on est d'accord que je vais pas rester avec un Omega 3. Encore ça, les bots. Parfait, rien à dire. Ça. Il me faut un autre Protect 3, voilà quoi, on sait ça. Vous comprenez le fond de ma pensée avec cette inspiration très profonde. Alors, le ghast, il va commencer vraiment à me saouler là. Non, allons vouloir. Hop. Ah oui, mais après il y a le vide, c'est vrai, j'ai oublié. Ça sert à rien d'aller là-bas. Du coup. Ouais, ici j'avais tout visité. Wither squelette, s'il vous plaît. Fine, fine, fine. C'est en temps et tarlo. Notre avis, on rejoint quelque part si on fait ça. J'en doute fortement. Ah très bien, on va jamais rejoindre quelque part ici. Du coup, on va manger un peu. Ah, tout un connerie au final. Car hein, voilà quoi, si on meurt de faim, on meurt de faim. Mais. Oh, j'ai pas pensé de la dernière fois au dragon de récupérer Mass and Stone. C'est bien, attaque ton pote. Aïe, non pas moi, je suis ton pote. Mais monsieur, s'il vous plaît. Monsieur squelette, voyons. D'accord. Aïe. Même pas mal. Quand je vous dis qu'elle était assez grande cette forteresse. Encore ici, j'ai même pas exploré. Ah si, j'ai exploré. Ok, j'ai rien dit. Ok, je me tais. Y'a aucun problème. Alors. Sinon, actualité de la chaîne, ben, on augmente, mine de rien. On va bientôt passer la barre des 20 abonnés. Je vous remercie énormément pour ça. Et sinon, à propos des vues, ça se passe bien quoi. J'ai fait plus de 600 vues là au compteur. En tout. Donc, ça, c'est génial. C'est. Voilà quoi. Voilà quoi. Je ne peux que vous remercier pour. Cela, merci, cela. Et puis j'espère que ça va continuer dans ce rythme-là. Que je puisse proposer un max de contenu à autant de personnes que possible. Du coup, nous sommes toujours à la recherche de ces foutus wizards. Ah, bonjour monsieur! Des carottes, ça vous va? Avec le knockback, ça va faire revenir sur le pont. Du coup. Ok, ouais, on a eu une épée en stun, tout va bien, les gens! C'est. Oula, la musique du Wither, non, c'est pas la musique du Wither. Du Nether commence un peu à s'emballer un peu trop là. C'est bon, hop. Mais où est? Ah, peut-être par là-bas. Aucune idée. Cet épisode sera long, je pense. Sera même très long, mais bon, on a déjà une tête de Wither. Yo, je swag. Ta-da-da-da-da. Cet épisode sera vraiment entrecoupé d'ellipses si j'en fais une maintenant. Ouais, maintenant on va marcher les gens parce que j'ai pas trop envie de perdre ma bouffe super vite parce que je suis pas très bon en PvE, ni en PvP d'ailleurs, ni en rien. Du coup, mais pourquoi je joue à Minecraft moi, sérieusement? Oui, parce que j'aime bien ce jeu. D'accord, très bien. Alors, monsieur, s'il vous plaît, descendez de votre ressort qui vous sert de fesse. Très bien. Très bien. J'essaie juste de shooter. Très bien.
Merci. Du coup, y a un wizard squelette là-bas aussi. Ah, nickel, on a looté une magma cream. Ça, c'est cool. Du coup, cribambelle, et voilà. Oh, j'ai vu le ghast en haut. Ok. Toujours pas de tête. Il est où? Ah, mais il y en a deux, je crois. Ah oui, juste pour des raisons. Enfin, non, pas pour des raisons, tout simplement parce que c'est la dernière version. Je suis passé en 1.8.4. Tout simplement parce que c'est la dernière version à être sortie. Aïe. Étant donné que ça modifie quelques bugs et ça a l'air de stabiliser un peu là. Un peu les FPS, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça pourrait être sympathique. Ça pourrait être sympathique, mais. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Ghast, voyons. Ne faites pas votre enfant. Descendez. Descendez de vos tentacules. Oh, il y en a encore qui spawnent. Ici, on a la masse qui spawn. Il y a aussi des blesses qui spawnent. Bonjour. 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 Au revoir. Bonjour. Merci. Hop. Ok, dommage. Ça n'a pas loot. Ça n'a pas loot. Ça n'a pas loot. Mais. Bonjour, monsieur. Alors, on est bloqué? Non? Ok. Allez, viens. S'il te plaît, toi, loot-moi ta tête. Des honnêtes. Très bien. Très bien, très bien. Je sais pas comment je dois le prendre, ça, comme une provocation. Qu'une idée. Mais, je suis déjà level 27. Chaud. Ah, bah oui, avec tout le minerai qu'on a creusé tout à l'heure en même temps. Vous m'étonnez que je sois déjà niveau 27. Du coup. La prochaine fois, préparation pour le wizard, on le fera spawn, je ne sais pas où. Zou. Soit dans le Nether. Et là, on est sûr qu'il partira chasser les pigmen. Soit dans le l'overworld. En grotte. Comme ça, il va aller nulle part. Ou bien dans l'Inde. Mais là, il va grôler Enderman. Du coup, je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense que dans l'overworld, hein, ça me semble la meilleure solution. Soit on le fait spawner en grotte, mais après il n'y a plus de plaisir à ajouter à l'arc. Non, c'est pas un plaisir pour moi de shooter du wizard à l'arc, c'est pas vrai. Je pense que je ferai ça. Je mettrai en pleine forêt, au pire des cas il y aura des cochons à côté et ils mourront. Mais on mangera la pomme de nudge, bref, on se fera des popos de régène, des popos de force, et fou. Là on va être chaud patate, vous allez voir. Alors du coup, on va repartir vers là, hein. Forcément. En tout cas, je vous laisse ici, sans vous montrer le farm. Je vous dis juste que j'ai une autre tête. Allez, je parie qu'il y a un wizard là-bas. Je parie que j'ai plus de bouffe aussi. Je vois très bien tuer les zombies pigmen, mais je sais comment ça va se finir au final. Je vais mourir, forcément, donc... ça semblerait pas être une très bonne idée, non? C'est un peu dommage que je meure. Alors on essaie d'en tuer un dernier, s'il nous loot pas. Et on va se laisser ici, parce que l'épisode devient anormalement long. C'était le one shot. Aïe. Non, genre, je casse tellement vite. Allez, toi, ta gueule. Toi, ta gueule. Merci. Toi aussi. Merci. Lootez-moi. Je veux que vous me lootiez. Tac, tac. On est level 28. Que demande le peuple? Ah, être level 30. Ok, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Du coup, bah, ouais, je formerai tout seul les têtes de wizard sans filmer. Sans rien, je pense pas que ça vous intéresse. Autant que ça. Oula, mon dieu. Ah ouais, j'ai one shot quand même, je croyais que l'autre il avait pris des dégâts, mais quand même. En fait, headshot est égal à one shot. Ouais. On aurait pris quelques blazards. C'est sympa. Bah écoutez les amis, je vais vous laisser dans le Nether, parce que, franchement, il n'y a aucun wizard qui spawn. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Entrecoupé d'ellipses, de fausses promesses. Bref, je suis un menteur, c'est pour ça qu'on m'aime aussi. Enfin, c'est comme ça.
Je suis désolé, je me faisais franchement une joie de m'installer dans le biome Ice Pact, truc machin bidule, mais c'est comme ça, donc j'espère que cet épisode vous aura plu tout de même. Il est à moi. Lui, il est à moi. Lui, c'est mon guest. Je vois que dalle. Juste pour cette fin. Voilà. Très bien, on le voit toujours pas. Ah si. Il y a une boule de feu buggée là-bas. Bah, regardez comme je lag dès que j'augmente un peu mes chunks, du coup, voilà, hop. Bah oui, même si j'augmente pas, je lag. Très bien. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Oh, fucking shit! Ah, moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Italo1999-1960 qui se fait en tirant sur un ghast. Attention! Ah, il est où? Il est là-bas! J'espère que cet épisode vous aura plu, je le répète, je n'ai plus de flèches, du coup je cours. Et salut les amis, à la prochaine!